Bonjour Émilie. Pascal, bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà Émilie, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Merci beaucoup. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Ça marche. Alors, par la santé, je suis née avec les fémurs qui étaient sortis des cotyles, en fait. Donc, j'ai porté un harnais pendant 6 mois. Et je voulais savoir s'il y avait des séquelles liées à cette malformation et ce que ça voulait dire aussi. Alors attends, des fémurs quoi, que j'ai pas compris. Qui étaient disloqués, en fait, des cotyles. Et donc, j'ai pu. Disloqué. D'accord. Ouais. Des cotyles. C'est quoi les cotyles? C'est ce qui réceptionne les fémurs, apparemment. D'accord, ok. Bon. Et donc aujourd'hui, tu as des conséquences ou c'est seulement. Alors non, c'est un peu particulier parce que j'ai aucune conséquence, mais c'est quand même curieux et j'ai dû porter un harnais pendant longtemps. Et voilà, Raconte-moi ça, pourquoi, quoi. bah oui, ouais, j'aimerais ça. D'accord, ok. Bon. Allez, autre question. C'est plus de l'ordre de la bobologie, hein. J'ai de la chance, mais voilà. Donc une mycose sur deux ongles au pied droit depuis 2016. Donc j'aimerais bien récupérer mes deux pieds. Au pied Ensuite, droit, que le pied droit. que le pied droit. D'accord. 2016. Ouais. Ok. Ensuite, une douleur, une raideur qui part depuis le haut de la colonne vertébrale et ce qui se prolonge dans l'épaule et ensuite jusque dans le bras. Et donc dans l'épaule, il y a des jours où j'ai vraiment du mal à la bouger ou elle fait mal. Et de manière assez latente, j'ai comme une genre de tendinite au coude droit. Donc tout le côté droit, il y a quelque chose de bloqué depuis moins d'un an. Tout à droite, d'accord. Ok. Et à cela, j'ai vraiment, je sais pas si c'est un tic ou quoi, souvent tendance à me faire craquer les colonnes vertébrales. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a des choses qui bloquent ou quoi. Voilà. Ensuite, une douleur au niveau la zone pancréas-estomac. Alors, on ne sait pas exactement où c'est depuis novembre 2022. Donc, il y a eu des crises vraiment aiguës passées à se rouler par terre de douleur. Et là, c'est juste une douleur latente, notamment au toucher, qui est toujours là au toucher, parfois plus ou moins forte. Voilà. Et enfin, une forme de perte de mémoire, pas aiguë, mais que je remarque notamment sur des choses vraiment très. Les noms de mes collègues, parfois je passe 30 secondes à le rechercher. Enfin, pas 30 secondes, mais 5 secondes, et c'est quand même bizarre. D'accord. Voilà. OK. Bon, c'était ma liste de ma petite bobologie. Bien. Alors, tes autres points. Alors, un premier point concerne. Une forme j'imagine, de limitation, d'auto-sabotage que je ressens quand il s'agit de fournir un travail intellectuel, donc au début de ma vie dans le cadre des études et puis après dans le cadre professionnel, c'est toujours là. Donc tout ce que j'entreprends doit être compliqué et long, donc c'est épuisant et assez désespérant et je ressens un sentiment comme de punition dans ces moments-là. Et j'ai l'impression que je ressentirais de l'imposture et du non-mérite si je travaillais pas de cette manière-là. Donc c'est un peu ridicule de passer un temps fou à une tâche alors que je pourrais la faire rapidement, passer à autre chose et travailler de manière tout aussi efficace mais de qualité. Mais parfois je sens que je me heurte à un mur et je suis là, hop, 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 j'arrive pas à avancer. C'est voilà. D'accord. Donc tu ressens comme de l'imposture, tu as dit? Oui, je sens que ça pourrait réveiller le fait de faire quelque chose très rapidement. Un sentiment d'imposture et de non-mérite, en fait. Non-mérite. Éteint. Ok. Comme si j'avais passé du temps à faire quelque chose pour que ce soit bien. Alors, En tout cas, c'est comme ça que tu interprètes le fait que tu te sens bloqué, bon. où tout devient long et fastidieux, c'est ça, hein? C'est ça. J'aimerais bien pouvoir me D'accord. connecter. Paf! Oh, je reçois Voilà. l'information. Et le truc. Donc on verra pourquoi tu interprètes ça comme ça. Bien. Et surtout d'où ça vient. Ouais. Un autre point, c'est alors j'ai mis une instabilité amoureuse, mais en fait c'est une instabilité sur tous les plans de tout ce que j'entreprends, toutes les centres d'intérêt, les passions. Au bout d'un moment, ça va quelque part me lasser, et donc c'est ce contraste entre au début
la, on va dire, cette envie, cet entrain, et ensuite, au final, de passer à autre chose, dans tous les plans, que ce soit professionnel, personnel, amoureux, relationnel, Tu veux c'est dire un que tu peu. finis par te lasser, tu vas pas jusqu'au bout, c'est ça que tu veux dire? Oui. Et du coup, c'est difficile de construire des projets à long terme. Et donc, c'est pareil avec mes compagnons, hein. Il y a un schéma répétitif où à chaque fois que le compagnon devient part de la famille, c'est un pilier vital dans ma vie, etc., un central, ben, il s'opère comme une impossibilité d'associer l'attraction physique avec la tendresse portée à la personne. Donc, je me demande s'il n'y a pas des choses à nettoyer vis-à-vis de. Voilà, de l'engagement, de l'autorité, du masculin, de la sexualité, qui est bon, associée à cette instabilité. Ok. C'est plutôt vaste comme question. Donc avec ton compagnon actuel, en tout cas, c'est ce que tu es en train de vivre, Oui, de exact. vivre. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Ensuite. De manière générale, il y a, je pense, quelque chose à faire avec concernant l'homme en général, rien qu'avec les hommes proches de ma famille, donc mon grand-père qui est décédé, mon père. Au bout d'un certain temps, je ressens une profonde exaspération en leur présence, et où vraiment ça me met très mal à l'aise. Alors je ronge mon frein pour essayer de rester gentille, mais je n'y arrive pas, malgré qu'il n'y ait rien en particulier qui crée ça. Et du coup, ça amène de la culpabilité, de la compréhension, de la tristesse, etc. Alors que mon grand-père et mon père sont de deux lignées différentes. Donc, Et c'est aussi ce que tu ressens avec ton compagnon? parfois, je reconnais des sentiments un peu similaires. Ouais. Ouais. C'est vrai, je n'avais même pas remarqué. Merci. Ok. Alors, je pense que j'ai beaucoup de colère en moi et que parfois il y a des excès de colère sortis de nulle part, alors parfois pour des raisons qui peuvent sembler vraiment anodines, je me cogne la tête et je vais exploser et je me surprends moi-même, je dis, waouh, elle vient d'où cette colère? Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui boue et qui serait bien de neutraliser. D'accord. Enfin, avant-dernière, après, je ne sais pas si c'est de l'ordre de la santé ou psychologique, mais il y a une forme de mutilation, une manie depuis plus d'une les vingtaines d'années, je pense maintenant, c'est de me ronger la peau autour des ongles, là, et parfois au sang, et c'est vraiment. J'essaie de le contrôler, mais c'est assez compliqué. Donc, je ne sais pas trop. D'où ça vient, ou c'est D'accord. juste quelque chose physiquement à se désapprendre, quoi, mais. Bien. Ok, toi, 4, 5, la dernière. Et la dernière, c'est une question générale pour. J'aimerais savoir ce que l'âme incarnée ici avait envie d'expérimenter. Voilà le chemin qu'elle avait envie d'explorer, et pour un peu mieux comprendre justement ces moments d'instabilité, de passer d'une chose à une autre, ou si c'est juste bah, comme ça. Bon, ok. Alors, qui veux-tu inviter? Alors, j'aimerais inviter comme désincarné ma grand-mère paternelle et mon oncle paternel. Donc, tu commences par désincarner. Donc, Pardon. grand-mère Grand-mère paternelle paternelle. paternelle, Paternelle. Paternelle, d'accord. Et et oncle paternel. oncle. Paternelle, d'accord. Et les invités donc incarnés. C'est possible d'avoir un pool large? Bah oui, déjà ton compagnon, je suppose. Voilà, mon Hein? compagnon. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait les proches, tu vois, les familles, amis proches, puis après on fait famille en général, et puis après tout ce à qui tu penses, hein, les amis de cœur. Super, D'accord. super. Donc c'est pas limité en fait. Sauf Ouais. qu'on va pas tous les nommer parce que là, du coup, hein, Ouais, ça serait non. interminable. Donc, on dit ton compagnon Mon compagnon, ma famille, mon et sa compagnon. famille, éventuellement. Et sa famille, c'est vrai, ouais. Hein? Voilà. Après, donc plus proche, Mes parents, tes ensuite parents.
Ouais. Ma famille, mais au final, je connais plus personne à part. Oui, ma On famille. dit famille en général, allez. Famille. Ok. Ensuite, amis. Voilà, tu ne cites pas les noms en tout cas. Hein. Des amis de cœur ou des amis en général? Des amis en général. D'accord. Ouais, c'est bien général. Ok. Mes collègues. Des collègues, d'accord. Collègues de travail et autres, c'est ça? Ouais. Ça serait super de. Voilà, on dit tout ça à qui tu penses. Hein? Super. Je te laisse couper le son, on part par l'aventure. Allez, ça marche. Merci à vous. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 32 300. 32 300. Ok, connecte-toi à moi et dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. À présent, je te laisse te connecter sur Émilie et dis-moi comment tu l'aperçois. C'est comme une sorte de patchwork énergétique dans son espace d'énergie. C'est pas unifié et tout de sa propre énergie. C'est un peu étrange parce que c'est à la fois ce patchwork énergétique qui vient à la fois d'elle, provient d'elle, fait partie d'elle, et à la fois c'est décalé. Donc ça crée des décalages comme un patchwork hein, que l'élémental du corps doit sans arrêt rééquilibrer, tout ce patchwork énergétique. Donc ça demande de l'énergie à l'élémental du corps physique pour maintenir une stabilité dans la physicalité 3D et un fonctionnement efficient. Il y a une sorte de, comme une sorte de fil à plomb qui la traverse de haut en bas et qui crée un. Donc ça passe par le chakra coronal, ça traverse tous ces chakras et on va dire l'extrémité basse du fil à plomb est en dessous de ses pieds, comme quelque chose à 1 mètre, 1,50 m en dessous de ses pieds. Ça crée un alignement, un ancrage à la terre, terre ciel, mais qui est artificiel. Et en même temps, l'élémental de son propre corps se raccroche à cet ancrage-là pour pouvoir se stabiliser. Quelles sont les conséquences? L'élémental du corps n'a pas d'autre point de repère que cet ancrage artificiel. Là, donc, il s'y raccroche. Ça demande de l'énergie, là aussi, à l'élémental du corps physique. Et ça vient créer des failles, c'est-à-dire que pendant que l'élémental du corps physique est concentré sur cette tâche d'équilibre, quelquefois, il y a comme une cocotte minute, une soupape. Il y a des émotions non maîtrisées qui jaillissent. Comme la cola, par exemple. Oui. De la colère, de l'insatisfaction, de l'agacement. Où ça jaillit brutalement sans qu'elle ne puisse rien maîtriser. Est-ce que ça fait comme des vagues en fait ou comme des phases où l'élémental du corps physique il stabilise, puis il y a un arrêt dans cette stabilisation, c'est là où se produisent ces failles, puis de nouveau c'est reparti pour une phase de stabilisation, etc. Au niveau de la tête, il y a une sorte de système de surveillance.
ce qui vient comme une sorte de casque là qui vient entourer la tête. C'est une sorte de système d'enregistrement, c'est transparent et ça vient enregistrer toutes ces ondes cérébrales. Mais pour se maintenir là, ce dispositif-là vient s'appuyer sur ses propres énergies à elle. Donc ça vient décaler aussi ce qu'il enregistre. D'accord. Et en conséquence, ça vient modifier ses perceptions sensorielles et extrasensorielles. D'accord. Il y a une sorte, partant de ce casque-là, il y a une sorte d'exosquelette qui parcourt toute sa colonne vertébrale et toute sa structure osseuse en général. Ça crée un décalage droite-gauche. Et ça vient, cette sorte de structure-là vient décaler l'élémental du corps physique dans son fonctionnement. C'est la raison pour laquelle la droite est plus impactée que la gauche? Oui, en raison de ce décalage-là. Mmh. Ça crée comme une sorte de poids, une sorte d'énergie dissonante qui est là, principalement tout le long de la colonne. Ça redescend le long des bras et le long des jambes. Ça suit vraiment tout le trajet de la structure osseuse. Et il y a une sorte de boule au niveau un peu plus que le plexus solaire, plus au niveau du diaphragme. Ça vient exercer une pression là. Une boule marron qui n'est pas complètement boule, c'est plutôt ovoïde. Ça change de forme, c'est souple. C'est comme une sorte de caoutchouc marron foncé, noir parfois, souple. Et ça vient se gonfler et se dégonfler. Oui. C'est branché, c'est bizarre, c'est branché sur elle. Au départ, ça avait été installé, mais pas activé. Et au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation, ça vient contrer son expansion de conscience. Mmh. Ça vient la bloquer, ça vient... crisper, cristalliser, ça vient attirer ces énergies-là et les cristalliser et les bloquer. C'est une sorte de moyen de contrôle sur elle. D'accord. Sur le plan physique, ça lui crée des problèmes. Et ça s'active parce que elle prend trop d'autonomie dans l'incarnation. Enfin, c'est ce que j'ai estimé. D'accord. Oui. Ça vient créer des crispations, des douleurs. Mmh. Tous ces corps subtils sont décalés, mais ça, c'est une conséquence de tout ce qui vient d'être cité. Décalé, sans arriver à s'imbriquer, à se caler correctement les uns par rapport aux autres. Comme si c'était les pièces d'un puzzle, les pièces de plusieurs puzzles différents, on a voulu assembler ensemble et qui ne peuvent pas s'assembler correctement. Donc, ça vient créer des vulnérabilités d'un point de vue mental, émotionnel et psychique, et jusqu'au plan physique. D'accord. Donc, c'est tout. Bien. Alors, qui est derrière tout ça alors? Qui a installé tous ces dispositifs et qui a créé ces situations? C'est des êtres dorés. Dorés ? D'essence féminine. Et guerrières, c'est des guerrières. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a
la polarité de ces êtres-là est féminine, mais il y a de l'énergie masculine en elle, comme des sortes d'Amazones. D'accord. Et elles viennent d'où, celles-là ? Elles sont principalement hors de leur base, tout le temps en déplacement dans des vaisseaux de guerre. Leur base, c'est Temer. Je pense qu'elle a son taureau. Temer, T-E-M-E-R. C'est une planète ou une étoile ? Une planète. D'accord, dans la constellation du taureau alors ? Oui. Alors qu'est-ce qu'elles font avec elle alors ? C'est quoi leur objectif ? Elles l'ont envoyée là. Elles l'ont construite là. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'elle dans sa physicalité. D'accord. Tu veux dire qu'elle vient de cette base-là, de Temer ? Oui. D'accord. Et c'est quoi leur objectif alors ? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont envoyée ici en incarnation ? Dans la volonté d'étendre le champ d'investigation, d'étendre les lieux, les espaces-temps où elles peuvent se déplacer, où elles peuvent s'impliquer. C'est une façon d'étendre leur territoire. Mais il y a des territoires qui ne leur sont pas accessibles, comme la physicalité 3D, entre autres. Et là, elles sont obligées d'avoir recours à des stratagèmes, à des ruses ou à la mise en place de, on va dire, de plans, d'organiser quelque chose pour pouvoir quand même partir en exploration de l'espace-temps qui les intéresse. D'accord. Donc là, en l'occurrence, c'est l'espace-temps 3D, de la physicalité 3D terrestre. D'accord. Et en quoi est-ce que l'envoyer, elle, en incarnation sur Terre, ça va concourir à étendre leur champ d'investigation, leur territoire ? Parce que ces êtres-là n'ont pas la possibilité d'y venir. Ça ne correspond pas à leur fréquence, ça ne correspond pas à leur dimension. D'accord. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'êtres comme elles qui sont incarnés, qui viennent de cette planète ? Comme Émilie ? Alors, oui, il y en a d'autres, mais pas complètement aboutis. Il y a plusieurs projets en cours, on va dire simultanément, parce que tout se passe en simultané, mais le plus abouti, c'est elle. D'accord, ok. Et alors, ça leur permet quoi, alors, du coup, maintenant que c'est abouti ? D'avoir une vision, une perception, c'est comme si c'était une sorte d'espion indécelable, là, dans la physicalité 3D. D'accord. C'est comme si elle était une sorte de périscope d'observation dans la physicalité 3D pour ces êtres-là, mais dont elle fait partie aussi. C'est-à-dire qu'en elle, il y a les gènes de ces êtres-là. D'accord. D'où, et donc, elle y est pas. D'où toutes ces pièces de puzzle qui ne s'imbriquent pas correctement les unes avec les autres. Et donc, elle est allée volontairement ? Oui. D'accord. Et donc, ça leur permet quoi une fois que, bon, elle est comme un périscope, donc ils font des observations, ils étudient l'espace terrestre sur divers plans, je suppose ? Oui. Et ensuite, ça leur permettrait quoi ? Une fois toutes les informations collectées, ça leur sert de base de travail. Qui leur sert à prendre des décisions. Donc, est-ce que c'est correct ou pas de mettre en place
de déterminer le bénéfice, la balance bénéfice-risque. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est intéressant de continuer dans cet espace-temps-là ou pas, de continuer à investir dans cet espace-temps-là ou pas, ou d'aller ailleurs? Ça, c'est la première phase. Si ça s'avère positif, si la réponse est positive, il y a d'autres phases suivantes qui sont prévues. Comme quoi, par exemple ? De continuer ce type d'expérience-là, on va dire d'infiltration auprès des humains, dans le monde humain, puisque c'est ce qui est le plus malléable, c'est ce qui est le plus facile. Mais avec plus d'adaptation. D'accord, oui, il faut améliorer les adaptations, quoi. C'est ça, avec des améliorations, des adaptations, des réglages plus fins. Ok, donc tout ça, c'est pour convoiter l'espace terrestre. Oui. Il y a du monde, hein, il y a une foultitude d'êtres qui convoitent l'espace terrestre. Oui. Et donc, leurs intentions sont belliqueuses ou c'est purement une extension de leur territoire et, Non, c'est pas belliqueux, c'est une extension de leur territoire. D'accord. Comment est-ce qu'ils voient les humains de leur point de vue? Leur territoire d'origine est relativement petit, donc c'est même presque une nécessité. Une nécessité, oui. Comment est-ce qu'ils voient les humains de leur point de vue? Une base de travail pratique. D'accord. Ok. Bien. Alors, en ce qui concerne. Alors, il y a combien de. Puisqu'on y est déjà, elle a combien d'existences sur Terre en tant qu'humaine alors? Combien de vies? Il y en a 13. 13 vies humaines? Pas toutes dans les mêmes conditions. Ah. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'adaptation. Et dans ces 13 incarnations-là, il y en a qui sont restés même simplement en observation, sans rentrer dans l'incarnation complètement. Oui, alors de quelle manière alors? Si c'est des vies humaines, sans entrer dans l'incarnation, de quelle manière ça s'est fait? Par des fausses couches. Ah, d'accord. Il y a observation pendant toute la durée de la gestation, dans le ventre de la mère. Et au dernier moment, la décision est prise de repartir. D'accord. Ouais, c'est par phase, quoi. C'est tout un agenda. C'est ça. C'est le même système que le périscope, qui, quand il y a trop de risques ou s'il n'est pas dans une zone jugée suffisamment sécure et correcte, se retire. D'accord. Donc, ça donne un autre point de vue sur, en ce qui concerne les avortements et tout ça, quoi. Hein, ou les mort-nés, tout ça. C'est pas tout le temps dans ce cadre-là. C'est pas général, mais... Il n'y a pas de généralité, mais ces êtres-là... utilise ce moyen-là, oui. D'accord. Ok. Donc, ça fait 13 vies humaines. Et donc, ça veut dire qu'avant ces 13 vies humaines, elle était en dehors de la fausse matrice. Oui. Elle est venue directement. Et il n'y a que ces êtres-là qui ont installé ces dispositifs. Tout ce qu'on a vu, l'exosquelette, tout ça, c'est eux qui l'ont installé, qui les ont installés. Ces dispositifs, oui. Oui. Et est-ce qu'ils se rendent compte que ça a créé des déformations qui finalement faussent les données qu'ils vont recueillir? Oui, mais il n'y a pas d'autres... Pas d'autres moyens pour eux? Pas d'autres moyens. D'accord. Pour l'instant, dans cette phase-là d'expérimentation-là et pour cette incarnation-là. D'accord. Et en ce qui concerne maintenant la conscience donc de Emily aujourd'hui, est-ce qu'elle est satisfaite elle-même de ses choix, de cette expérience ou pas? Si on interroge le soi supérieur. La conscience incarnée sur Terre, elle est bloquée dans son déploiement pour pouvoir accepter ces modifications-là.
en remontant plus haut au niveau du soi supérieur. C'est une curiosité intéressante. Oui, comme d'habitude. Ok. Mais en ce qui concerne donc celle qui est donc Émilie aujourd'hui, c'est quoi son choix pour elle ? C'est de continuer cette expérience ou de s'en départir et de reprendre sa liberté et on va dire son intégrité ? Elle n'a pas la totalité des données. Mmh. C'est comme s'il y avait une incapacité de décision puisqu'elle n'a pas connaissance de l'ensemble des données. D'accord. Donc le soi supérieur, lui, a l'ensemble des données. Il y a la perte de mémoire pour la partie physique incarnée. Donc il n'y a pas l'ensemble des données disponibles. Alors, quel est l'avis du soi supérieur, même si c'est une expérience intéressante ? Est-ce qu'il veut la continuer ou est-ce qu'il veut y mettre un terme pour passer à autre chose, qu'elle puisse vivre pleinement cette incarnation en tant qu'humaine ? Le soi supérieur, lui, perçoit l'ensemble. C'est-à-dire, il perçoit ce que nous, on appelle, ou ce qu'on ressent, ce qu'on expérimente comme étant le passé, le présent et le futur. Et il y a une sorte d'impasse en continuant dans ces conditions-là, oui. Ce qui veut dire que pour lui... Et l'impasse ne mène à rien. C'est-à-dire qu'il y a forcément une sorte de régression à un moment donné qui se traduit par des problématiques sur le plan physique. Pas de suite dans l'incarnation, mais plus tard. Enfin, dans ce que nous, on expérimente comme étant le plus tard ou le futur. Mmh. Donc du coup, le choix, c'est de mettre un terme à cette expérience et de la libérer complètement ? Oui. Voire même des engagements ? Oui. Parfait. Très bien. Alors, à part ces interférences, puisque finalement on peut le considérer comme une interférence, même si c'est un accord commun, à part eux, est-ce que tu vois d'autres entités en lien direct avec elles ? Il y a des entités démoniaques qui observent, qui sont là autour d'elles, qui observent... Ouais, ça, c'est les opportunistes. Oui, ils observent avec curiosité ce qui se passe, la situation inhabituelle, et ils viennent renforcer tout ce qui est de l'ordre de blocage émotionnel, de descente en basse fréquence soudaine émotionnelle. Ça, ils viennent l'amplifier, voire même le provoquer par jeu. Ok. Et par conséquent, des blocages donc, comme ceux qu'elle a évoqués, par exemple. Oui. Ouais. Bien. Ok. Bah, puisqu'on en sait un peu plus, donc elle vient de cette planète. Bien. Alors, donc on va en vérifiant l'ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Quel pourcentage elle a dans son ADN de cette espèce alors ? 11%. 11%. Ok. 11%. Ok, c'est pas mal. Hein ? Oui. Mais dans ces 11%, il y en a qui est seulement modifié, une partie qui est seulement modifiée. Ah, d'accord. Quel pourcentage modifié ? 6. 6%, d'accord. Et le reste, donc, c'est de l'ADN de cette espèce. Mmh. Qu'est-ce que ça lui crée comme problème, cet apport qui ne vient pas de son essence ? Ça vient créer des décalages, des incompréhensions, comme des sortes de zones de vide, de flou, comme des zones de points aveugles. Ça oblige l'élémental de son corps physique à dépenser plus d'énergie pour se stabiliser. Et ça vient déséquilibrer ses corps subtils. Ok, donc c'est totalement contre-productif, quoi. Et il est temps que cette expérience s'arrête. Mmh. Bien, alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Alors, puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archaïbélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors,
à part ces présences-là, qui voit-tu d'autre? Et c'est démoniaque. Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre, et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. D'accord. Tu vois des parasites à l'intérieur? Non. Bien, alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archaïque, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Nous la plaçons dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend de l'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu à présent Émilie? Beaucoup plus légère, stable. Il y a beaucoup plus de stabilité, de luminosité aussi dans ces énergies. Bien. Alors maintenant, on va regarder comment réagissent ceux qui étaient les siens. Ça a coupé une partie de la communication avec elle. Donc, il y a une sorte d'agitation, d'incompréhension aussi. Il y a de la colère aussi et du mécontentement, de la frustration. Bien, ça c'est une chose, mais est-ce qu'ils prennent des dispositions? Oui, il y a une sorte de... C'est doré, c'est plein comme une sorte de papier d'aluminium doré qu'elle vienne déployer là autour de sa physicalité. D'accord. Tu veux dire qu'ils ont entendu sa décision, ils ont entendu son décret de rompre tous ses pactes, ses contrats, etc. C'est pas le terme entendre qui est juste. Est-ce qu'ils l'ont reçu? Ils ont constaté, ils ont reçu l'information, oui. Très bien. Et donc, ils sont contre. L'information énergétique, c'est coupé. C'est comme des voyants qui s'éteignent, comme un panneau de commande, et tous les voyants qui s'éteignent les uns après les autres. Mais est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe ou pas? Non. Bien. Alors, est-ce qu'elle peut aller leur expliquer? Et leur dire de vive voix sa décision maintenant en tant qu'humaine? Oui. Comment réagissent-ils maintenant? Il y a du mécontentement. Ce ressenti de trahison. Comme si elle les laissait tomber. Elle leur explique qu'elle utilise son droit souverain. Qu'elle est passée de l'autre côté, elle les laisse tomber. Eh bien, elle passe du côté de son essence et de la source. Oui. Comment réagissent-ils? Ils ne peuvent rien faire. Il y a de l'acceptation qui est là maintenant. Et leurs intentions et leurs énergies se redirigent presque immédiatement vers d'autres sujets d'expérience. Vers d'autres projets. Parfait.
Alors, est-ce qu'ils ont retiré du coup ce qu'ils ont déployé? Ça, c'est désagrégé tout seul. Bien. Alors, est-ce que tu vois qu'il y a d'autres choses à éliminer éventuellement? Oui, il y a des attachements, il y a des mémoires toxiques, il y a de la culpabilité, il y a une sorte de frustration, de colère. Tout ça, c'est là encore présent, de façon dissonante dans ses énergies. Alors, est-ce qu'elle peut comprendre maintenant qu'elle fait le choix de vivre pleinement cette incarnation en tant qu'humaine et qu'il n'y a pas d'autre issue que de se libérer de cette expérience sans chercher forcément à trahir? C'est simplement faire le choix de sa propre liberté et d'expérimenter pour elle-même donc ce qu'elle a à vivre. Oui. Est-ce qu'elle le comprend maintenant, ça? Oui. Et que c'est plutôt une haute trahison envers soi-même que de continuer l'expérience, une expérience qui n'est pas satisfaisante, ni pour elle et ni pour personne, du coup. Oui. Elle le comprend, est-ce qu'elle le ressent maintenant? Maintenant, oui. Bien. Elle est prête à couper tous les liens d'attachement et tout ce qui est, sans bien sûr renier ce qui est, sans renier évidemment les expériences qui contribuent à son enrichissement. Oui. Ok. Alors qu'elle coupe tous les liens. C'est fait. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à faire par rapport à ça? Non, c'est correct. Donc reviens ici et maintenant. Oui. Voilà. Donc, puisqu'il n'y a pas eu besoin d'intervenir autrement, est-ce que tu vois que dans sa bulle, à l'intérieur et à l'extérieur, et dessus, tu vois des choses éliminées qui resteraient? Il y a des échos et des résonances. Ok. Donc, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Est-ce que tu vois à tout hasard, malgré tout, puisqu'on a vu quand même qu'ils sont stratégiques, est-ce que tu vois qu'à tout hasard, il reste quelque chose sur d'autres lignes de temps ou de quelque manière que ce soit qui pourrait les faire revenir à la charge? Non, leur attention s'est détournée. Parfait, ok. Très bien. Alors maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan moronciel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est un peu perdue, désorientée, décontenancée. D'accord. Et sa partie subliminale? Elle est séparée par une sorte de vitre de la partie physique. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan moronciel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans une liberté et une autonomie parfaite, un parfait équilibre et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace moronciel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là? Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant qu'Émilie pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une liberté et une intégration, une santé parfaite et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors, on y va en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, quels sont ses projets pour la vie donc d'Émilie? Explorer tranquillement et en toute liberté et légèreté. Cette expérience humaine en 3D. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 99%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. Elle se crée les racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence? Oui.
Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. J'aimerais que tu me dises toutes les anomalies que tu y vois. Il y a des sortes de plaques semi-transparentes, opaques, qui sont là, insérées dans toute la structure de la lignée. Et autour, ça vient séparer les consciences les unes des autres. Ça vient créer des réalités décalées pour chaque conscience rattachée à l'arbre. D'accord. En ce qui concerne donc Émilie, qu'est-ce que ça lui crée comme problème ? Comme une sorte de sensation d'irréalité, à la fois de faire partie de cette lignée et à la fois pas. Avec le besoin de se reconnecter à la lignée. Comme si elle en était comme un peu repoussée et détachée. D'accord. Tu veux dire qu'elle le ressent comme un rejet ou comment elle le ressent ? Pas comme un rejet, mais le fait d'être à l'extérieur. D'accord. Bien, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière, là ? 43. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Il y a ces dispositifs-là qui se mettent en place, hein, qui se construisent littéralement, énergétiquement. C'est des entités démoniaques qui en sont à l'origine. D'accord. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré ? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là. Tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait. Et tu lui proposes de trouver une solution créative pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire ? Une montée en fréquence soudaine, haute et puissante, qui vient le placer hors de perception de ces entités-là. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées ? L'énergie circule maintenant librement entre toutes les consciences rattachées à l'arbre. Comment est-ce que ça impacte particulièrement Émilie ? Une sensation de liberté, de légèreté, des nouvelles sensations, de nouvelles informations qui lui arrivent. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur et d'ouverture d'esprit pour toutes les consciences de sa lignée ? Oui. Allons-y. C'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, ici de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent ? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement ? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre ? Elle coupe à 23% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien. On va s'occuper à présent de son ADN. Alors, je suppose que les 11% ne sont pas supprimables de suite. Non. Est-ce qu'on peut déjà en enlever une partie là ? Ceux qui sont modifiés, oui. Ok, alors allons-y. On élimine ce qui est modifié, sur tous les plans, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Elle le remplace avec sa propre essence. Oui. Voilà. Maintenant, pour le reste, est-ce qu'on peut grignoter à présent, donc continuer à éliminer le reste ? Maintenant, oui, c'est possible. La totalité ou une partie ? La totalité. Ok. Alors, on supprime la totalité dans les mêmes conditions, avec traces, mémoire, etc. Sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Et elle le remplace donc par sa propre ADN avec sa propre essence. Oui. Voilà.
Maintenant que c'est fait, donc stabilise, sécurise, pérennise, concrétise, etc. Hein. Mm-hmm. Voilà. Alors maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'elle veut faire avec cet ADN ? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement ? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre ? Elle le refait. Alors on élimine l'ancien avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales ou inconnus. 1, 2, 3. Oui. Et elle le refait à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 6 de connectées et 4 d'activées. Ok. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Est-ce qu'elle peut rajouter des programmes? Oui. Allons-y également. Dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça vient stabiliser, réaligner et renforcer sa base énergétique. C'est bon. Bien. Maintenant, on va s'occuper des programmes art quantique et de ceux de l'intelligence artificielle. Parce que comme je le dis à chaque fois, hein, c'est tout ça, il est refait à neuf, mais au sein de la matrice. Donc, on élimine tous les gestionnaires qui sont les archontes et l'intelligence artificielle. Donc, tous les programmes de séparation, dualité, limitation, etc., tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion humaine de sa conscience, ainsi que de toutes ses autres parties, est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Et elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 83%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde. Elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement. Elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une adaptation parfaite, et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et je vais conseiller à Émilie d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir et imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et comme cette vidéo sera partagée, donc j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive.
Oui. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous allons éliminer les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite, salit son discernement, sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors, nous intégrons tout cela dans les différents états de conscience. Oui. À présent, elle déclare « Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. » Oui. Elle rajoute « J'exige et j'ordonne. » À toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives, connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la dimension psychologique. Si tout ne correspond pas à Émilie, tout y est proposé, elle fera elle-même le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Tu sais quoi, on va redescendre mes fréquences. Elles sont trop hautes. On prend 2 minutes pour les descendre. Que je me sens plus parler, je ne m'entends pas parler. C'est bon. Voilà. Ok. On reste synchrone ? Oui. Ok. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre, n'est pas qui je suis vraiment. Oui.
Maintenant, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. « Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, etc. etc. » Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare « De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. » Oui. « Je me pardonne totalement en tout et pour tout. » Oui. « Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. » Oui. « Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. » Oui. « Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. » Oui. « Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. » Oui. Maintenant, elle déclare « Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. » Oui. « Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. » Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie à présent si elle a quelques traçages ou marquages matriciels ou archaïques ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'a pas. Alors elle intègre tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lémniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est bon. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui.
désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nuisible à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vague circulation. Oui. Et un contre les vagues circulées, quelle que soit la version reçue. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, crêtes de vie et double lémiscate activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. C'est fait. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. Maintenant, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante, bleue et mordorée, qui s'expanse, qui monte en puissance, qui vient englober toute sa partie physique et énergétique, jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient s'y placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrive à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, sombres, lourdes. C'est des mémoires compressées, des traumatismes. C'est fait. Elle roule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source, jusqu'au chakra coronal. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun, dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes, en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébro-spinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire.
Oui. Endocrinien, glandes, immunitaire et hormonal. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux, organique et systémique. Oui. Tableau général de tous les systèmes. Oui. C'est-à-dire que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. C'est fait. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Micro-kiné. Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, nous abordons le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu ? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous allons procéder à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on élimine sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan ? Quelques-uns. Alors, idem. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Parfait. Maintenant, on va s'occuper des programmes de vieillissement au sein de l'ADN, des cellules, de toute sa biologie. Donc, nous allons procéder à l'inversion des programmes, suivant la loi de l'inversion, pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous allons procéder au rééquilibrage et à l'harmonisation des 5 éléments, et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. À présent, le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro.
Oui. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Alors, le premier point qu'elle a évoqué, c'est donc, elle est née donc avec des fémurs disloqués. Voilà. Alors, on va disloquer les décotiles. Hein. Alors, allez-moi savoir pourquoi. Pourquoi elle est née dans ces conditions? C'est des problématiques de désynchronisation. C'est pas la même échelle. C'est entre ces différents apports d'ADN. D'accord, donc il met sa adaptation de sa physicalité à son ADN de l'autre espèce, c'est ça? Oui. Bien, donc là je suppose que ça concerne toute sa physicalité globalement. Oui. Et est-ce que tu vois que sur cette nouvelle ligne de temps, il reste quelque chose à éliminer? Il y a des mémoires traumatiques cellulaires qui sont là, restantes, avec leurs échos et résonances. Et il y a des programmations de fonctionnement, de stabilisation, d'adaptation de l'élémental du corps physique, mais qui ne sont plus adaptées maintenant. Est-ce que son élémental a perçu, est-ce qu'il comprend que la situation a changé maintenant? Oui. Parfait. Donc on va éliminer tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Alors que chacune des parties concernées et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retisser ce qui doit l'être. Oui. En harmonisant l'ensemble, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Voilà. On va en profiter pour regarder son système neuronal, nerveux central, ORL visuel et respiratoire. Comment les vois-tu? Il y a des décalages restants, il y a des désynchronisations qui sont là, encore restantes. C'est lié à des mémoires traumatiques spécifiques et leurs échos et résonances et les programmations de fonctionnement associées. Ok, donc on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et pour chacun et l'ensemble, on reconnecte et réinforme. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, retissé. Oui. Regarde l'équilibre du cerveau droit-gauche. Il y a quelques ajustements à finaliser. Allons-y. C'est fait. Au niveau neuronal, globalement, est-ce que tu vois des reconnexions à faire? Oui. Allons-y également. C'est fait. Et plus spécifiquement, en ce qui concerne les zones de la mémoire, des systèmes cognitifs et des champs de perception. Oui, là aussi, il y a des réinformations, des réalignements, des reconnexions à faire. Allons-y. C'est fait. Au niveau du système nerveux central jusqu'aux terminaisons, est-ce que tu vois là aussi des reconnexions? Oui. Allons-y également. C'est fait. Système visuel et auditif, enfin ORL et visuel, pardon. Oui. Allons-y également. C'est fait. Et le respiratoire? Oui. Allons-y. C'est fait aussi. Est-ce que c'est complet pour toi? Oui. Alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. Voilà, donc elle a des mycoses aux deux ongles du pied droit. D'ailleurs, on a vu qu'à droite, il se passe beaucoup de choses. Hein. Raideur haut de la colonne, épaules, bras, etc. Avec une tendinite au coude, tout à droite. La cause est toujours la même, c'est ces désynchronisations, ce décalage gauche-droite, accentué par cet exosquelette qui avait là sur elle, principalement au niveau de la colonne, là où il était le plus actif en tout cas. Et ce qui était principalement à l'origine de ces décalages. Bien, de ce décalage et du reste, est-ce qu'il en reste quelque chose pour toutes les parties concernées, y compris l'exosquelette et tous les points qui sont impactés? Il en reste des mémoires traumatiques sur chaque point impacté, avec écho et résonance,
et des programmations de fonctionnement, d'équilibrage de l'élémental du corps physique, de compensation. Ok. Pour le décalage, c'est réglé? Oui. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. On rééquilibre et réinforme. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibrer et synchroniser. Oui. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. Voilà, donc pour toutes les parties douloureuses, son élémental peut mettre un baume apaisant, tout ce qui est enflammé, douloureux, etc. Oui. Voilà, donc on harmonise ensemble. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc pour la mycose aux ongles, son élémental peut faire ce qu'il faut pour éliminer tout ça localement. Oui, un apport d'énergie vitale spécifique. Allons-y. C'est fait. Voilà. Pour la colonne vertébrale, épaule droite, tendinite, etc. Est-ce que tout ça, c'est réglé? Oui, mais là aussi, elle peut y faire un apport d'énergie vitale, mais équilibrante et apaisante. Allons-y. C'est fait. Tu vois autre chose à faire, là? Là, c'est correct. Bien. Alors, donc, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. Alors, plus spécifiquement, douleur dans la zone du pancréas, estomac, voilà, parfois avec des crises aiguës. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Il y avait cette sorte de dispositif ovoïde marron, lourd, souple, qui venait créer des dissonances énergétiques puissantes dans toute cette zone-là. Est-ce qu'il en reste quelque chose maintenant? Des mémoires traumatiques spécifiques avec leurs échos et résonances, et des programmations de fonctionnement, de rééquilibrage et de compensation de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibrer et synchroniser. Oui. Réaligner et retisser. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Bien, on va regarder le système endocrinien avec, bien sûr, immunitaire et hormonal. Comment les vois-tu? Il y a quelques décalages dans le fonctionnement, dans la fluidité, dans la circulation de l'énergie, pas suffisamment fluide. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des mémoires traumatiques spécifiques avec leurs échos et résonances. Et là aussi des programmations de fonctionnement qui sont inadaptées maintenant. Alors on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé, ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Bien, on va regarder sa glande pinéale avec la production de valentonine, qui est cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises, ici et maintenant, à quel pourcentage tu vois qu'elle est produite? 57%. Alors, tu la programmes pour être à 100%, tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. On va regarder à présent les systèmes donc circulatoires, sanguins, lymphatiques et énergétiques. Là aussi, des désynchronisations des systèmes les uns par rapport aux autres. Et dans le fonctionnement de chacun d'entre eux, là aussi, il reste des mémoires traumatiques spécifiques. Hein, et les programmations de fonctionnement associées qui sont dissonantes maintenant. Alors, on élimine sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme chacun et l'ensemble. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui.
Et réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Bien, maintenant, système digestif, métabolique et tous les systèmes d'élimination. Il y a des ralentissements dans la circulation d'énergie et dans le passage d'informations. Qu'est-ce que tu vois éliminer ? Des restants de mémoire traumatique qui sont spécifiques à ces systèmes-là et des programmations de fonctionnement inadaptées maintenant. Alors, on élimine tout ça, tous les points jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. En harmonise, stabilise, acquérisse, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc... perte de mémoire, bon, on a fait ce qu'il fallait. Est-ce que tu vois que tout est bien maintenant ? Maintenant, c'est correct, oui. Ok. Alors, donc, elle se sent limitée quand elle entreprend un travail intellectuel. Voilà, tout est long, compliqué. Elle se demande si c'est une punition. Elle ressent comme une imposture, de non-mérite. Alors, qu'est-ce qui peut lui être dit par rapport à tout ça ? Il y avait ces décalages et ces désynchronisations qui étaient là, présents, mais c'était dû à ces différents apports d'ADN différents. Qu'est-ce qui fait qu'elle ressente comme une punition, une imposture, une non-mérite ? D'où vient cette idée ? D'où lui vient ce ressenti ? C'est une interprétation faussée. Qu'elle est allée, qui ne lui appartient pas, qu'elle est allée puiser dans l'inconscient collectif humain en allant chercher des explications et des raisons. Et ça lui a été soufflé aussi par les entités démoniaques qui prennent plaisir ou qui prenaient plaisir à cette situation-là. Tu m'étonnes. Ouais, elles font leur boulot, hein. Bien. Alors, qu'est-ce qui reste de tout ça ? Des habitudes de fonctionnement, il reste. Hein, et des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Allez, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc elle va prendre conscience de sa connexion avec la source hein, par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque. Oui. Elle en active tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et elle peut ressentir sa nature fondamentale qui est complétude, amour, puissance créatrice. Oui. Elle peut ressentir aussi sa sécurité intérieure, le sentiment de sa propre dignité, légitimité et de sa valeur intrinsèque. Oui. Comment se sent-elle maintenant ? Comment la vois-tu ? Apaisée, sereine et tranquille. Bien. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier et de le savourer. Oui. Et elle ramène tout ça ici et maintenant, comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, son partie subliminale, jusqu'à son âme. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, quand elle dit qu'elle se sent instable surtout, même dans son domaine amoureux, qu'elle se lasse vite, etc., d'où ça lui vient ? C'est toujours la même cause. Il y a sa situation énergétique précédente crée une sorte de décalage par rapport à la physicalité 3D et à toutes ces situations d'expérience et de relations. Est-ce que tu vois que maintenant les choses sont remises à leur place ou tu vois une intervention spécifique ? Ça s'est replacé naturellement, c'est fluide maintenant. Voilà. D'autant plus qu'elle a les compréhensions et que pour les habitudes, elle saura faire ce qu'il faut. Bien. Alors donc, dans sa relation à l'homme, je pense qu'elle a compris également, hein, que ce soit familial, que ce soit son compagnon, etc. Tu as des choses à rajouter par rapport à ça ou
Tout est dit et fait. Il y a la programmation de la lignée. C'est principalement ça, la programmation de la lignée qui vient modifier toutes les relations entre les consciences. Et en plus de cet élément-là, il y avait aussi la nature de son essence et son origine. Donc féminine avec une difficulté d'appréhender le masculin. Bien. En ce qui concerne la lignée, c'est réglé. Oui. En ce qui la concerne, elle, il reste quelque chose? Non, la compréhension est là maintenant. Parfait. Alors, donc, qu'est-ce qui fait qu'elle se ronge la peau autour des ongles, etc., jusqu'au sang? C'est comme une sorte de réaction automatique de mal-être et d'anxiété de l'élémental du corps physique et qui n'arrivait pas à se stabiliser dans son fonctionnement. Bien. Est-ce que tu vois que c'est réglé ou tu vois une intervention spécifique à faire? Il y a des habitudes de fonctionnement qui sont toujours là, avec des mémoires traumatiques qui sont rattachées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et donc, toujours en conscience et présence de sa connexion avec la source, en ressentant sa complétude, sa sécurité intérieure, sa tranquillité, cette paix profonde qui est en elle, qui est elle-même. Donc, toutes ces parties maintenant pour ressentir. Oui. Comment tu la vois maintenant? Apaisée, tranquille et sereine. Alors, comme un téléchargement dans toutes les parties précitées jusqu'à son âme. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, précise et concrétise tout ça. C'est fait. Voilà. Et qu'est-ce que lui répond son soi supérieur à sa question « Que mon âme a envie d'expérimenter ?» C'est comme si la question était mal posée. C'est décalé. Alors, comment il la formulerait alors? Ça n'a pas de sens, la question n'a pas de sens. L'âme, c'est comme une sorte de réservoir mémoriel qui vient là en soutien de l'expérience. Mais il n'y a pas de volonté de l'âme elle-même de vouloir expérimenter, c'est décalé. La volonté, elle vient de au-dessus. Et plus qu'une volonté, c'est un souhait qui vient du soi supérieur. Après, le souhait peut se démultiplier puisque chaque expérience est correcte pour le soi supérieur. Se démultiplier, se réadapter, se redéfinir. Oui, par rapport à sa question, elle était induite, sa question, du fait de sa situation énergétique. Et du fait de sa perte de mémoire de la partie physique incarnée qui se demandait ce qu'elle était venue faire là, dans ces conditions-là, dans l'expérience humaine en 3D. Cette question-là n'a plus lieu d'être maintenant. Est-ce que c'est bon? Oui. Bien. Donc sa seule mission, c'est de prendre du plaisir à ce qu'elle fait et de faire ce qu'elle a envie. Et de... Voilà. Et de faire en sorte d'être heureuse dans ce qu'elle fait et où elle est. C'est d'apprécier pleinement tous les aspects de l'expérience humaine. Bien, alors ceci étant dit, étant compris je suppose, on va regarder son corps mental. J'aimerais que tu me dises toutes les programmations limitantes que tu y vois, avec les croyances qu'elle en a développées, limitantes évidemment. Dans le corps mental, il y a des programmations qui ne sont pas accordées les unes aux autres. Donc, elles sont dissonantes les unes par rapport aux autres, mais c'était dû à ces conditions d'incarnation évoquées précédemment.
Donc, ça venait créer une sorte de couche de programmation lourde, pesante et dissonante et limitante. Quelles sont les croyances limitantes qu'elle a développées à partir de ça? Elle n'avait ni les connaissances, ni les compétences, ni la puissance nécessaire pour passer par-dessus ces programmations-là. Qu'en pense à présent toutes ces autres parties, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré sur cette nouvelle ligne de temps? De la perspective où elle se trouve maintenant, qu'elle est alignée, connectée à sa propre puissance intérieure, elle s'aperçoit de la nature de ses programmations, mais qu'elles sont agissantes uniquement dans des zones de basse fréquence. Elle perçoit maintenant qu'elle peut aller bien au-delà de ses zones de basse fréquence, bien au-delà de ses programmations, et qu'elle peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Alors que reste-t-il de tout ça à présent? Il reste des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques qui sont rattachées. Alors on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors, attends, je vais te demander un instant. On va revenir sur l'ancienne ligne de temps. Tu vas regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette ancienne situation. Il y a une sensation d'anxiété, d'enfermement, de limitation, de frustration, de colère, de sentiment d'injustice. Une sorte de force puissante, mais qui n'est pas dirigée, ça part dans tous les sens, donc elle est destructrice, qui explosait parfois dans le corps émotionnel et qui venait créer une instabilité dans toutes ses émotions. Ça faisait remonter des émotions lourdes, désagréables, denses, de tristesse, de solitude. D'agressivité, même le fait d'en vouloir aux autres consciences qui l'entourent, à elle-même. Quelque chose comme une sorte d'exaspération qui remonte avec l'envie de tout balayer, de tout balancer. Ça venait créer de la culpabilité, qui venait là comme une sorte de programmation limitante et qui venait comme une sorte de couvercle lourd et pesant, appuyé sur toutes ces émotions dissonantes. Mais c'est un cercle vicieux, puisqu'en appuyant et en étouffant ces émotions, ça venait en accentuer la pression, et ça venait générer des jets de colère incontrôlés, comme une cocotte minute, mais sans qu'elle en ait conscience. Ça venait créer une fausse image d'elle-même puisqu'elle n'avait pas accès complètement à sa propre image du fait de sa situation énergétique précédente. Et ça générait par conséquence des fuites d'énergie importantes aussi. C'est bon. On va regarder à présent du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles? Il y a le ressenti d'injustice de ses conditions d'incarnation, dans lequel il y a comme le fait de se ressentir décalé, pas à sa place, bloqué et coincé. Il y a le ressenti de la partie physique d'avoir été laissée là, rejetée, abandonnée par le soi supérieur, ce qui n'est pas le cas, mais c'est le ressenti de la partie physique. Et il y a l'humiliation aussi ressentie de ne pas arriver à tout balayer, à faire place nette, à organiser correctement toutes ces émotions, toutes ces pensées et toutes ces façons de fonctionner pour pouvoir se positionner clairement et tranquillement dans l'incarnation. Donc pour pouvoir continuer à avancer dans l'incarnation, elle a mis en place un système de fonctionnement dégradé, réduit par rapport à ses possibilités, à ses potentialités.
une façon pour elle de résister à cette sorte de pression intérieure, qui soit une façon de fonctionner qui soit acceptable et pour elle, et dans le relationnel avec l'autre, et socialement parlant aussi. C'est comme si elle n'avait activé qu'une partie de ses capacités, une partie de ses potentialités. Donc ça lui permet d'avancer dans l'incarnation, ça lui permet de se protéger de ce qui pourrait la blesser. C'est comme si elle s'était placée elle-même des œillères, et pour se protéger elle-même et pour protéger les autres. Mais c'est limitant, c'est frustrant, ça l'empêche de se connecter à ses intuitions, à sa propre puissance intérieure, aux autres parties d'elle-même. Mais jusqu'à présent, en tout cas, c'est la seule façon qu'elle avait trouvée de fonctionner sans tout faire exploser, puisqu'elle n'avait pas de direction donnée. Donc, elle fonctionnait de cette façon-là, réduite. C'est comme quelque chose comme conduire dans le brouillard. On réduit la vitesse, on décuple l'attention, on focalise l'attention sur une zone donnée seulement, puisqu'on n'a pas toute l'information sur toutes les autres directions et possibilités existantes. C'est bon. Bien, alors je rappelle qu'il s'agit là bien sûr de l'ancienne situation, l'ancienne ligne de temps, pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que reste-t-il de tout ça ? Il y a des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques qui sont reliées avec écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et au niveau de la personnalité, Émilie, donc pour les habitudes de fonctionnement, elle a toutes les informations, toutes les données nécessaires pour créer les changements d'habitudes, de comportements, etc. En douceur, évidemment, sans exigence exagérée, sans se fustiger. Les choses doivent être naturelles et tranquilles, en se pardonnant tout ce qu'il y a à se pardonner. Bien, alors maintenant, tout en conscience de sa connexion avec la source, par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, en activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Émilie à présent ? Légère, apaisée, tranquille, une sensation de bien-être intérieur, de sécurisation, de complétude. Un calme qui sont là présents maintenant, qui lui permet d'apprécier l'instant présent et d'apprécier de trouver du plaisir à être là dans l'incarnation. C'est bon. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle installe une programmation sur laquelle chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là, dorénavant, en permanence. Oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elle soit professionnelle, familiale, amoureuse, matérielle, financière, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son incarnation en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. Oui. Je veux que nous partions à présent de la source. Je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions ? Elle garde l'attention claire et la volonté puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances.
que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qu'elle avec tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle voit en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant qu'Amélie? Il y a de la curiosité, il y a de l'attirance devant toutes ces situations d'expérimentation là, qui se déroulent devant elle. C'est lumineux, coloré, joyeux, attirant. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Alors qu'elle prend le temps là aussi de le ressentir, de l'apprécier et de le savourer. Oui. Elle le rajoute à sa programmation, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, jusqu'à son âme. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure, une paix profonde également, et l'amour qu'elle est. Oui. Elle ressent ce sentiment de légitimité et de dignité. Oui. Celui d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, est-ce que tout est juste, que tout a une fonction utile, que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vas-tu, Émilie, à présent ? Elle se ressent lumineuse et puissante, connectée à sa propre énergie vitale, centrée, équilibrée. Elle ressent sa conscience qui s'expanse. Il y a sa lumière intérieure qui monte en puissance. Elle ressent de la gaieté, aussi de la légèreté, de la joie de vivre. De la joie, du plaisir et du bien-être d'être là dans cette expérience d'incarnation. C'est bon. Bien, ça va être le moment des invitations. Donc, elle a nommé son compagnon, bien sûr, et sa famille, ses parents, la famille en général, les amis en général également, les collègues, tous ceux à qui elle pense. Oui. Voilà, elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire. Et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur propre situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant ça, est-ce qu'ils acceptent un petit coup de pouce? Oui. Alors, puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archangélique. Donc, ils éliminent également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Chacun se place dans une bulle christique de protection. Se créer des racines au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à la star de ce qu'a fait Émilie pour elle-même, adapté bien sûr chacun à sa propre situation. Oui. Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Bien. Alors, ça va être le moment de désincarner.
Elle a nommé sa grand-mère paternelle. Alors, j'aimerais ça que tu me dises sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est dans une zone de passage énergétique assez agitée, troublée. Il y a comme quelque chose qui passe régulièrement. C'est désagréable. C'est pas quelque chose de tranquille et d'apaisé. Bien. Identifie-la, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Tu peux communiquer avec elle ? Oui. Alors, tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors, nous la connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touchée en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent ? Une montée en fréquence, soudaine et puissante, qui vient comme l'éjecter de cette zone-là, ça vient la placer au-dessus. Elle plane là, légèrement au-dessus, tranquille. Que compte-t-elle faire à présent ? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté et liberté ? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers donc Émilie et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés sur le plan terrestre ? Elle reconnaît simplement les essences, la nature des essences du plan terrestre. Elle vient remercier Émilie. Et elle envoie une onde d'amour puissante, universelle, vers ce plan terrestre. Puisque cette énergie d'amour est suffisamment puissante pour traverser tous les plans et atteindre toutes les consciences désignées. C'est bon. Bien. Est-ce que tu peux lui demander si elle peut envoyer des énergies et des informations dans la lignée paternelle et maternelle donc d'Émilie pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité qu'elle ? Oui. Alors, allons-y. C'est fait. Voilà. Maintenant, nous pouvons la remercier et la saluer. Elle est partie. Alors maintenant, c'est l'oncle paternel. Sur quel plan vois-tu et dans quelle situation ? Il y a quelque chose de terne, comme s'il avait renoncé, quelque chose de plat, de terne, horizontal, comme s'il s'était... C'est une image, mais c'est comme s'il s'était couché là, sans vouloir plus avancer. Et n'ayant pas d'autres sorties, d'autres possibilités, en tout cas perçues par lui, il a stoppé le mouvement énergétique et s'est installé là, allongé là. Ok. Tu peux communiquer avec lui ? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui s'il veut être aidé. Oui. Alors nous le connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui maintenant ? Il y a une montée en fréquence qui vient apporter de la couleur, de la légèreté, de la vivacité dans ses énergies. Comme s'il s'était relevé. Alors, que compte-t-il faire à présent ? Est-ce qu'il veut remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté et liberté ? Remonter à la source. Alors, dis-lui que pour lui aussi, pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous. Oui.
avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers Émilie et tout ce qu'il a aimé et côtoyé sur Terre? Il y a du soulagement, une sorte de joie, de légèreté, de bien-être et de plaisir. C'est toutes ces sensations-là qu'il envoie vers Émilie et vers le plan physique 3D. Et il remonte. Eh bien, nous saluons. Il est parti. On revient à Émilie. Alors, regarde s'il y a des liens toxiques, quels qu'ils soient. Oui. Alors, elle les coupe tous et dissout toutes les racines sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Renvoies-tu l'autre en arrière-plan ? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Renvoies-tu encore ? Il y a des réminiscences restantes. Allez, on élimine. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Voilà, maintenant elle va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile et dissout toutes les racines. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve là aussi que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules de l'ADN, etc. Sur tous les plans, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ses corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. De son espace morociel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Et activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Voilà. Alors, je précise que l'implant neutre, ce n'est pas un implant, hein, c'est juste une expression. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique. Qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux apprécier également, profiter. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Pour chacune d'elles, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de flore de vie, graine de vie et double hémiscate activée. Oui. Elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. Oui. Le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Maintenant, nous allons revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 8 de connectées et 6 d'activées. Elle peut activer les deux autres? Oui. Allez-y.
C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. C'est des activations d'éléments déjà présents, mais encore inactivés, inexploités, qui ont cette faculté de déployer de nouvelles lignes de temps. C'est fait. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 8 et 14 mois. Entre 8 et 14, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Oui, des sensations de légèreté, d'être centré, équilibré et de bien-être. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 7 à 14 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et de ses propres attitudes post-séance? Par vague, il y a toutes ces sensations et toutes ces émotions de basse fréquence qui ont cette tendance à revenir, de mal-être, de sensation d'être comprimé, bloqué, avec une sorte d'anxiété aussi, de culpabilité en arrière-plan. Ça revient par vague. Ça revient dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà, mais où les nouveaux ne sont pas installés encore complètement. Dans ces phases-là, le mental égo se sent insécurisé. Donc, il ramène dans le présent les informations qu'il va chercher dans le passé. Alors là, il est extrêmement important que tu te souviennes de ce qui vient d'être dit. Dans ces moments où tu auras l'impression que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'aggravent, en te souvenant que tout est normal, que c'est le travail qui se fait, que c'est naturel, plus tu resteras confiante et optimiste, plus tu soutiendras toutes les parties de toi qui feront leur travail, plus courte sera la métabolisation et meilleure sera-t-elle en qualité et en profondeur. Autrement dit, tout ne dépend plus que de toi. Nous, on a fait notre travail. Alors, pour soutenir toutes les parties donc, de Émilie, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent bien libre, heureuse et joyeuse. C'est comme une sorte de feu d'artifice intérieur, pétillant, joyeux et lumineux. Il y a une expansion intérieure, en même temps une stabilité, une force intérieure, stable, légère et puissante. Une clarté, une luminosité qui sont là maintenant dans son espace d'énergie. De la joie et du plaisir d'être là dans l'incarnation. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, de le déguster. Oui. Elle ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et son âme. Oui. Et pour chacune de ces parties, ça devient le connu, le nouveau repère, et même des habitudes qu'elle peut programmer et activer dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder donc son domicile. J'ai envie que tu me dises comment tu le vois. Il y a des vagues de fréquences basses qui traversent le lieu d'habitation. Alors, à quoi c'est dû? C'est directement lié à sa situation énergétique antérieure, où il y avait des failles et des ouvertures discordantes. Est-ce que tu vois dans les sous-sols donc des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Rien qui vienne l'impacter. Alors elle va faire une puissante tornade, elle va tout nettoyer, voilà, sur tous les plans, y compris la mémoire des murs, meubles, objets, cave-grenier s'il y en a, partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui.
Donc, elle place partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée, sécurisée. Oui. Sur son compteur électrique, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus, fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée, sécurisée. Oui. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Qui vont produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, paisible et sécurisé, avec une respiration ample et profonde. Il y a un son et un parfum qui se modulent et elle sécurise tout ça. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle chrysite de protection, elle également, et les autres occupants, s'il y en a et s'ils le veulent. Oui. Maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relie le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Crée une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie et dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles d'intention et toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester et concrétiser. Oui. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscade activée, sécurisée. C'est fait. Autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise également. Oui. À présent, tu vas installer une programmation de sécurisation pour toute la séance et toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Maintenant, nous allons installer une programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la situation, quelle que soit la ligne de temps, quel que soit son état, elle le quitte en toute sécurité, souveraineté et liberté pour remonter à la source ou continuer son chemin. Oui. Stabilise, sécurise, spiritise et concrétise cette programmation. Et enfin, pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, sur tous les plans, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, spiritise et concrétise. Oui. Et on demande au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à lui donner ? C'est la partie physique qui active cette connexion et qui la maintient puissante et sécurisée par l'entière confiance en ses propres capacités de connexion et par son intention claire, puissante et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Il suffira donc à Émilie de se souvenir de ce qui a été dit et surtout de le mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme à présent ? Elle est là, libre et légère, claire et lumineuse. Et sa partie séminale ? Elle s'est reconnectée à la partie physique. Elle continue de créer les connexions avec les différentes parties d'elle-même. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Émilie en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail ? Oui. Alors, chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence, composée de sons, lumière, couleur, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui.
Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particule de lumière mère idem. Oui. Et on termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Émilie avant la séance et quelle est-elle à présent? 57 et maintenant 178. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour? Oui. Alors c'est parti. Hop. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou. Ça va? Oui. Comment tu te sens? Bien. Bon, alors à nous. Tu peux remettre le son, Émilie, et nous t'écoutons. Voilà, ma mission d'agent secret est terminée. Merci à tous les deux, Pascal et Emmanuel. C'est magnifique ce que vous pouvez œuvrer et faire. Et... tout le soulagement qui descend. Tu laisses faire, laisse. C'est bien. Ouais, c'est... Il y avait bien trois mots qui me poussaient à faire cette séance. C'était instabilité, frustration et masculin. Et voilà, vous... on peut résumer un peu. C'est magnifique et c'est vraiment tout résonner, toutes les choses qui... pour ça, j'ai dû acquiescer souvent parce que c'était vraiment... quelque chose que je ressentais aussi quand il fallait choisir, par exemple, les 5 blessures, c'était vraiment la justice qui me venait en premier. Enfin, voilà. Et puis, comme je vous disais, voilà, même physiquement, j'étais vraiment très... côté très masculin et très féminin à la fois, très particulier, alors que je ne fais pas beaucoup de sport et mes parents ne sont pas... Voilà. Oui, vraiment... une nouvelle vie, c'est bien. Tout ça, ça fait sens pour toi, tout ce qu'elle a vu alors. Ouais. Oui, et vraiment toutes les, on va dire, les transformations, transmutations au niveau du génome, c'était intéressant. Et puis je baillais souvent, et en général, quand je baille souvent, c'est qu'il y a des choses qui se passent. T'as ressenti des choses alors? Ah ouais, la tête qui tournait, toutes les vibrations au niveau du corps entre un génome, et puis c'est comme si la conscience savait déjà ce que Emmanuel allait répondre, dans le sens où je savais les réponses. Enfin, c'était très, ouais, c'était un très, ouais, j'ai jamais trop vécu ça, c'est super. Ouais, mais quel travail, merci. Bon, tu connais mon conseil, hein, de revoir ta vidéo. Tu as vu qu'il y a beaucoup d'informations, c'est important. Ouais. Hein, voilà, et puis dans les moments où tu auras l'impression que les inconforts qui ont été dits, hein, ben, sers-toi de la vidéo, tu te refais des rappels comme ça, voilà, mais entièrement, pas partiellement, tu vois, tu te refais ta séance de temps en temps. Ok, ouais. Quand tu sens que, voilà, que tu perds un peu pied, que tu te sens un peu déstabilisé, tu peux t'en servir comme ça. Okay. Ça relancera les énergies, tu vois, ça te refera un rappel, d'accord? Et à court terme, est-ce qu'il y a des conseils de, je sais pas, de... Mon conseil, c'est d'aborder tout ça vite, tranquillement, avec vigilance, voilà, sans te prendre la tête, et puis surtout d'être confiante, de considérer que tout est déjà là, même si c'est pas, t'en as pas les preuves, même si c'est pas manifesté, hein, c'est fait dans les dimensions supérieures. Le temps que ça se métabolise, bon, bah, il faut un certain temps, qui va dépendre que de toi d'ailleurs. Mais si tu considères par anticipation que tout est déjà là, tu vas en accélérer la co-création, on va dire. J'entends. Donc voilà, c'est la confiance, quoi qu'il se passe, même si ça semble revenir en arrière,
confiante. Même pas pas, même pas mal, plume de canard. Voilà. Ça marche. Bon, bah écoute, j'espère qu'on aura des nouvelles. Tu nous diras comment les choses se passent par mail, si tu veux, quand tu voudras. Carrément. Ah ben oui, ouais, avec grand plaisir, oui. Donc, on reste sur ce qu'on a dit, donc on la diffuse en clair. Oui. Oui, carrément. Nom d'Emilie, avec plaisir. Ouais. J'ai un nom qui est assez rare. Dès qu'on tape mon prénom, on trouve des choses sur moi. Donc, Oui, ça, c'est parfait. Merci à toi, alors. Merci à Emmanuel. Ben, merci. Merci à tous les deux. Belle continuation à vous. Merci. Bonne métabolisation à toi. Et on attend de tes nouvelles. Oui, ça marche. Au revoir.